Apan. Muse, parle-moi du fils d'Hermès, le chef groupier à deux cornes, le dieu bruyant qui se promène à travers les prairies boisées avec les nymphes accoutumées aux danses. Pan qui a pour apanage toutes les hauteurs neigeuses ainsi que les cimes des monts et les sentiers pierreux. Parfois cheminant à travers des rochers escarpés, il monte tout en haut jusqu'à la cime d'où il surveille ses moutons. Quelquefois et seulement au soir, il se fait entendre. Au retour de la chasse, et joue sur ses pipeaux un air suave. Il ne pourrait pas le dépasser en ses chants, oiseaux qui répandent à la verdure fleurie du printemps la plante douloureuse de sa douce chanson. Il était en essence d'aspect monstrueux, chèvre-pied à deux cornes, bruyant et souriant. Elle s'en fit d'un bond, celle qui devait le nourrir, et prise de peur en voyant ce visage farouche et barbu, elle abandonna son enfant. Le bienfaisant Hermès le prit aussitôt dans ses bras, se hâta vers la demeure des immortels et vint leur présenter son fils. Tous les immortels se réjouirent dans leur cœur et surtout Dionysos Bacchus. Ainsi donc, je te salue, Seigneur, et par mes chants recherche tes faveurs.